de la chanson française et des personnes fragilisées pour une soirée musicale plutôt originale. Johan Tergo. Depuis 10 ans, la SBL Les Mourettes développe des activités centrées sur l'épanouissement socio-affectif des personnes en difficulté. Ce projet mise notamment sur le contact avec les animaux pour favoriser l'émancipation de ces personnes fragilisées. Parallèlement, et ce depuis 3 ans, Franck Othils a mis sur pied une soirée caritative réunissant des artistes de la scène belge. L'art d'être différent en musique. Troisième année, oui, c'est vraiment parti par hasard avec le foyer culturel de Manage qui nous a proposé la salle. Et puis voilà, on est arrivé à un événement quasi incontournable, hein, mon cher ami. Vous êtes là depuis le début. C'est vrai que c'est vraiment une histoire d'amitié qui s'est mise avec Franco sur base d'un projet, comme vous disiez tout à l'heure, Super Plateau, parce que Franco se retrouve avec Jeff Bodard, avec Saul, avec William Dunker, avec Marca, avec quantité d'artistes qui viennent. Et en fait, ils viennent spontanément, moi je peux me permettre de le dire, pour un gars qui est encore grand comme ça, et pour un projet qui est magnifique. On a vu Saul qui n'était pas prévu, et qui a vu de la lumière et qui est rentré. Voilà, en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi je suis là depuis le point de départ, parce qu'il nous a sollicité, etc. Et puis tu te rends compte que c'est non seulement un gars génial, que le projet est fabuleux, qu'on vient voir ce projet. J'en ai parlé à Baptiste parce qu'on est parti ensemble sur un tournage. Puis il m'a dit, ouais, je viens, tu me parles de ce gars-là, tu me parles de ce projet-là, tu nous donnes envie de venir, donc clair, ouais. Un plateau de premier choix donc pour cette soirée, citons Marca, Perry Rose, William Dunker et beaucoup d'autres. Cette édition 2007 était parrainée par Jeff Bodard, un parrain très heureux. Ah bah écoutez, pour moi c'est la moindre des choses, c'est presque le minimex moral. Depuis que j'ai rencontré Franco et son association, non seulement je suis tombé en amour, mais surtout tombé en amour du travail qu'ils font en aval, enfin de tous les côtés, voilà. Et en plus, pour n'avoir caché, j'adore les chevaux et donc on partage ce même amour du cheval. Je ne comprends pas que cette association n'ait encore fait boule de neige, en tout cas que la connaissance de cette association n'ait encore fait boule de neige, parce que c'est formidable. Mais allez les voir, je vous encourage à vous rendre aux Mourettes et aller voir le travail qu'ils font, c'est absolument incroyable. Un spectacle parfaitement réussi puisque jusque tard dans la nuit, le foyer culturel de Manage aura vibré au cours de cette superbe soirée basée sur la tolérance et l'échange. Mais en plus, il y a vraiment ce partage, cette idée de partage, et c'est pour ça que tous les artistes se réunissent autour de ça. On le sait, ça peut être un milieu hypocrite parfois, beaucoup moins, c'est clair, en Belgique qu'en France, mais on se retrouve avec des gens vraiment qui partagent, et le fait de partager ces différences et de profiter de ça pour mettre son cœur ensemble, c'est vraiment un truc qui tue, quoi, et c'est pour ça qu'on est là aussi, donc voilà. Avant de conclure, un petit mot d'excuse pour les Senegiens qui ont frôlé la...